septembre. M'apparaît comme un astre noir et glacé qui ressemble à un vaste labyrinthe où une vérité en trompe-l'œil dissimule une réalité complexe. On vient de l'apprendre, un terrible accident d'avion en plein cœur de New York. Un avion s'est encastré dans une des deux tours du World Trade Center. Des scènes d'apocalypse, de guerre, même au cœur le plus profond, le plus symbolique des États-Unis. Le 11 septembre demeure un ensemble de mensonges, entouré de mystères. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la violence règne chaque jour, entretenant la population dans un état de peur perpétuelle, notamment avec les guerres qui nous menacent depuis toujours. Les activités humaines provoquent également des perturbations écologiques. Nous en subissons les conséquences. Cela nous arrive par petits éléments et nous devons faire ce que nous n'avons pas fait avec la menace terroriste. Tout le monde attend qu'une chose spectaculaire se produise pour agir. Le 11 septembre en est l'exemple le plus frappant. La réalité est telle qu'elle est et nous devons tous y faire face. Je pense que nous aurons un gros problème dans l'avenir, et je crois que nous devrions prendre conscience de nos actes, car le progrès de l'être humain engendre un réchauffement climatique majeur qui aura des graves répercussions dans le futur. La réalité dépasse notre imagination, et pour ma part, je pense que ce n'est encore que le début. L'avenir n'est pas écrit. Il n'y a de destin que ce que nous faisons.